comme je l'ai dit, la date du 19 décembre 2016 sera ce que le peuple congolais lui-même voudra que ce soit. Ou bien ce sera une date d'un grand échec qui va faire que le Congo va basculer dans une dictature atroce, dans un esclavage qu'on regrettera, ou bien ça sera la date d'une libération totale. Et tout va se passer, c'est dans l'espace, mes chers amis, de quelques secondes, même quelques minutes. Ça ne demande pas de calcul kilométrique là-bas. Ça peut être avant le 19, le 19, même après le 19. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de prophétie qu'on peut faire ici. C'est question seulement de prendre conscience que notre pays est dirigé par des bandits qui ont pillé nos richesses, qui sont en train de les déposer dans des banques outre-mer. Le pays est infiltré par des étrangers. Que si nous ne nous levons pas, si nous ne retroussons pas nos manches, si nous ne connaissons pas la réalité, si nous n'en parlons pas, alors nous serons foutus. C'est question de quelques secondes, quelques minutes, et un petit rien peut faire basculer le pouvoir de Kabila. Et Kabila, là où il est, laissé avec ses hommes. Et leur comportement, c'est la peur. Tout ce qu'ils sont en train de faire, regardez. Sécurité, stratégie, empêcher à celui-là de parler, à cet autre-là de faire ceci. Ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, non. Ça trahit leur peur. Comme me disait un homme qui m'a inspiré, que la peur a plusieurs noms. Chez les dictateurs, la peur, c'est mesure de précaution. Empêcher aux gens de parler. Empêcher aux gens de faire ceci, de marcher, couvre-feu, pas des attroupements de 2, 4, 10 personnes. Ce n'est pas la puissance, c'est la peur. Et Kabila, pour montrer sa peur, a réussi à acheter des armes pour freiner les manifestations. Et au moment où je suis en train de vous parler, j'ai une information. Il y a des armes qui viennent de l'Afrique du Sud, qui passent par le Burundi, et ça entre par le Sud Kivu, côté de Fizi là-bas, pour parvenir à l'armée de Kabila. C'est pour cela que beaucoup de gens ont les yeux sur le Congo. Nous sommes un grand pays et le Congo peut changer l'histoire. Tout ce qui est planifié dans la région des Grands Lacs, le peuple congolais peut changer tout cela. Le président burundais, si vous pensez qu'il y a la révolution au Congo, les Congolais réussissent à chasser Kabila, il sera aussi affaibli. Parce que tous ces gens-là, si vous regardez le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, si vous ne le savez pas, mais je vous l'ai dit aujourd'hui, ils entrent au Congo, ils ont des deals avec Kabila pour les richesses, le coltan, cassiterite, les richesses du Congo. Kabila a des envoyés partout. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi là-bas, qu'ils l'aident aussi à réussir, et vont se partager le butin pour maintenir. Donc, la région des Grands Lacs, dans le désordre perpétuel. Mais si le peuple congolais se lève, change la donne, vous verrez automatiquement, le Burundi va être affaibli. Et Kourouziza ne sera plus en sécurité. Et il pourra même fuir. Kagame aussi, il aura trop de peine à mettre à exécution son plan de 2017. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour s'acheter des armes, mettre leur plan à exécution, réaliser leur projet macabre? C'est au Congo. Vous allez dire, non, non, vous savez, mais pourquoi y a-t-il des rébellions dans l'Est? Ce sont des rébellions fabriquées pour entrer au Congo et piller
Et monter des plans qui sont en train de monter aujourd'hui. Donc, cher peuple congolais, chers frères et sœurs, amis, le 19 décembre, moi je ne vais pas en parler avec trop d'exagération comme les autres. Oh, prophétie, j'ai vu. Non. C'est très simple. Ou bien ça passe si le peuple congolais décide de s'asseoir et de se cacher la tête sous le sable comme des autruches. Ou bien ça va casser et chasser Kabila si le peuple congolais décide de se lever et de dire non, cette fois-ci nous devons changer l'histoire de notre pays. Il n'y a pas de calcul, de prédilection, de prédiction, de prédication kilométrique sur ça, non. En Tunisie, les gens ne s'y attendaient pas. On ne savait pas que un petit vendeur là, sur la rue, qui prend le pétrole et s'asperge et se brûle, devait être le début de la révolution tunisienne. Les gens ne regardaient pas là-bas. Ils avaient leurs yeux ailleurs. Mais ça commençait à un autre endroit, à un autre moment, et ça bouleversait les calculs de tout le monde, tous les politiciens, opposition et pouvoir en place. Au Burkina Faso, le peuple grognait. Quand c'est le peuple congolais, on est en train de grogner, de nous plaindre, mais Blaise Compaoré avait fermé les oreilles. Il réunissait même les parlementaires pour voter des lois, dire que non, il ferme tout. Si les Burkinabés avaient dit, nous nous cachons, nous n'allons rien faire, Blaise, tout ça, Blaise allait être au pouvoir aujourd'hui. Le peuple burkinabé a décidé d'aller même au Parlement, là où les gens siégeaient là-bas, pour les foutre dehors, brûler même le Parlement. Question de temps seulement. Une seconde, une minute. Ça peut changer le destin d'un peuple. Et je pense que le peuple congolais seul a le pouvoir de changer son destin avant, pendant ou bien après le 19 décembre 2016. Dieu ne dit-il pas, après avoir beaucoup prié, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous remercie. Ne jamais trahir le Congo.